une note pour la presse qui portait précision et qui confirme effectivement mesure qui prend yo viser communauté LGBTA. Mais ça communiqué a dit dans objectif pour faire rapport sous discours raïsab ak pour provoquer crime raïsab ak zak violence et puis tout discrimination qui a fait contre communauté LGBTQIA en Haïti et depuis publication décision 16 juin ak 24 juin 2020 nous-mêmes représentants et ASIF Action communautaire pour intégration femmes qui vulnérables en Haïti, OTRA, organisation trans Haïti, ASECH, Action citoyen pour égalité sociale en Haïti, ak Refè Haïti qui c'est association refuge filles en Haïti, nous voulons et premièrement commencer par féliciter l'État haïtien pour de grandes initiatives et inclusion et ça yo l'hypothèse pour peuple haïtien à communauté LGBTIA. Alors pour grain et pour grand initiative de qu'elle prend et en particulier dans décret ça yo. Mais tout n'a profité prend un petit temps nous-mêmes sous même opportunité ça pour nous envoyer un message clair pour dénoncer sérieusement discours raïsab ak violence et qui fin gaillé sur réseaux sociaux dans la presse ak dans environnement politique là contre communauté LGBTI haïtien et ça depuis après de décret ça yo te fin prend la rue dans date qui était 16 à 26 juin 2020 décret ça yo qui écrit et publié comme ça n'importe monde qui te subi changement morphologique doit venir faire actualisation qui gagne rapport à ça dans l'espace 2 mois après changement ça yo et il doit venir faire ça dans bureau identification nationale article 5 paragraphe 2 décret qui était publié dans numéro 9 journal moniteur et puis article 362 à 363 dans code pénal réformé n'importe distinction qui fait entre monde qui naturel pour origine yo sexe yo situation famille yo apparence physique yo état santé yo et la trier orientation sexuelle yo c'est discrimination discrimination qui définit dans article 362 et commettre contre un monde naturel ou soit légal et puni par emprisonnement pour un ou bien 3 années dans prison avec une amende 50 000 jusqu'à 75 000 goudes là il consistait alors que comportement ça les moun y a condamné à refuser bail un service au soir dans empêchement avec un exercice normal n'importe qui activité économique nous voulons clarifier que article ça yo n'en aucune façon pas menacer bien-être avec bon fonctionnement société haïtienne non mais li finalement voulait définir responsabilité et a démontré engagement l'état haïtien pour les supporter moun ki pi faible yo et qui pi bien comme ça ta doué fait population haïtienne nan gen la dan toute couche moun qui a contribué dans la vie politique sociale économique et culturelle nation haïtienne nan même communauté LGBTI yo même tout yo fait partie nation et nous même gens ak reste population communauté a ka parler toujours selon notre là c'est peut-être ça yo besoin un cadre légal et qui capable garantir yo protection justice ak sécurité et spécialement par le fait que même dans communauté ça t'es toujours considéré comme citoyen qui sans valeur dans société a ressources qui disponible pour population haïtienne nan déjà 13-8 et puis distribution ressources ça yo pas fait avec justice pourtant en plus souffrance ak manquement ça yo que communauté ça a subi chaque jour yo obligé faire face à toute stigmatisation discrimination violence rejet et puis parfois même raïssement et problème ça yo vini empêcher yo joui même si c'est à un petit crasse pour pipiti droit fondal natal yo gagnen nan même façon ak l'autre citoyen nan pays toujours notre la kap pale et puis li important
pour nous concentrer nous sur toute lutte importante qui t'est faite cap continuer faite toujours et sous un pile continent et qui importante en 1804 et qui t'est porté un pile changement même gens avec indépendance pays nous et nous ca cité là-dedans au mouvement émancipation femme yo mouvement féministe sans nous pas oublier abolition apartheid pays d'Afrique du Sud mouvement révolutionnaire pour droit civique et dans pays États-Unis nèg noir et lutte Gandhi pour libération Inde et yo toute bataille ça yo toute pour cette bataille pour même bagaille qui c'est droit à liberté et article 5 dans décret qui publié jour qui était 16 juin 2021 dans journal Le Moniteur représenter bataille ça bien selon communauté LGBTIA loi ça retirer moun qui est transidentaire et moun k'a fait changer k'a fait transition k'a changer yo dans condition citoyen fantôme ou soit dans position esclave yo teye par rapport à un système qui pas reconnaître existence yo finalement li essentiel pour nous ajouter que youn nan bataille que nous-mêmes activistes yo pa jam suspend mené et ceci là qui concernait ça y aurait les droits pour reconnaissance droit pour respect autonomie intégrité physique tout le monde bien avant ou ouais orientation sexuelle ou soit identité genre yon moun faut nous pas oublier que li se yon chrétien vivant avant toute bagaille ça yo ça qui veut dire li gen droit ak identité li tout quel te physique quel te juridique ça qui fait que li normal pour l'état bay citoyen sa yo yon outil légal qui ka permettre yo identifier yo quel que l'en soit l'état sous territoire national là ou soit dans pays étranger notre lan continue li dit pour ça qui concernait institution religieuse yo qui camper en comme quoi et yo là pour garantir et moralité chrétienne et pour faire respecter et qui pour une raison ou bien une autre senti que yo nan yon position force par rapport à pouvoir et nan point que yo vle imposer principe religieux yo sur tout peuple la net nous vle rappeler yo et que pa gen anken côté nan constitution ça li marqué religion gen droit pour poser scellé sous décision légale et sociale qui apprend en république là. En plus l'état ça reconnaît tête li comme un état qui passe sous pouvoir l'église et religion qui donc laïque. Mais li dit tête li que li c'est un état démocratique et qu'a chercher chemin progrès et changement. Communauté LGBTIA pas jamais imposé ça yoyé ak ça y a fait sous peuple haïtien. Nouveau loi sa yo pa fè anken prédiction pour gen mariage moun ki gen même sexe ki donc mariage femme garçon ak garçon ou soit fè promotion pour homosexualité au contraire yo mette règlement et puis pini discrimination sexe pour protéger ak assurer respect pour droit fondal natal tout moun communauté sa ki pa jam respecté avant et ça sans anken distinction sorti nan article 16 rive nan article 56 d'après constitution qui c'est maman loi pays il a fini pour dire pour nous fini nous voulons ajouter que d'après même constitution ça l'état haïtien doit annuler rapide et vite et pressé toute l'autre loi qui gagne discrimination là-dedans et puis adopter législation qui garantit protection de façon toute l'autre institution l'état et privé dans pays capable de jouer encouragement dans l'application de série de politiques publiques qui permettent nous combattre en pile dans réaction sans limite n'a joindre la population depuis après publication décret ça yo n'a pas encourager l'état haïtien pour continuer faire effort pour lui assurer inclusion et puis garantir justice et respect pour droit monde LGBTI yo en Haïti sans oublier faire investigation pour zak affaire côté touyer monde ak l'autre zak violence qui a fait sous population LGBTI yo parete nan impunité. Qui est-ce qui signe notre ça? Dominique Saint-Ville, coordonnateur général Outra, Gino Amboise, vice-président à Sèche et
Yaïcha Val, présidente directrice générale et ACVH, et Novia Augustin, président Refait Haïti. Est-ce que c'est de vrais noms? Parce que nous connaissons qui est la situation, ça y est, dans le milieu, ça. Il y a un pile monde qui est concerné vraiment dans la question activité LGBTI en Haïti. Mais depuis Charles disparaît là, nous pas jamais moi-même. C'est un monde qui te prend la parole pour te venir défendre dans la presse. Et un pile monde, il y a caché. Et c'est manipulation, un pile fois, il fait de l'autre monde. Et là, il n'y a pas les deux monde qui bien placé, parfois dans la société, là, qui pas jamais venir paraître pour défendre position ça. Et un pile fois, c'est des jeunes, nous connaissons qui paraît, tant que Charles, par exemple. Mais, ça qui est important, note ça, non seulement nous pas sûr de nom moun qui signe yo, mais yo pas quitté aucun numéro de téléphone ni aucune adresse internet pour d'après contact avec yo. Voilà, c'était position communauté LGBTI sous question qui confirme effectivement gouvernement prend position en faveur yo et yo rend gouvernement ça, voyo remercier le dit qui a défendre droit yo. Oui, faut que respecter droit yo en tant que moun, nous toujours dit ça, mais cependant gouvernement tout pas qu'à faire peuple en petit nando, et a dit que pour prendre une décision des do peuple là sans que peuple là ba consentement. C'est pour respecter droit moun, il toujours dit attention pour pas gain violence qui fait sous moun yo dans occasion et mouvement et lever campé, dénonciation qui a fait yo. Yo gain droit pour vivre et même dit tout attention tout pas faire amalgame. Yon homosexuel, c'est pas un criminel parce que mon homosexuel. Mais yon moun qui sont pédophiles sont criminels. Ça veut dire son grand moun qui a endiosé ti moun, qui a perdu ti moun. Un moun yon doit homosexuel et puis il n'est pas pédophile. Et puis yon moun qui est hétérosexuel et puis il c'est un pédophile. Donc faut que nous fassions en pile attention, c'est des dossiers extrêmement délicats. Et ici, là, nous toujours gain courage pour nous dire sortir de dire là. Mais en même temps, tout. Gouvernement pas gen droit, li pa gen ken côté qui bal provision légale pour li ap changer et transformer société a des dol sans que société a pas participer, sans que le pa bay moul. Donc c'est une société consciente qui fait gen pour le faire de choix et ça li nan intérêt communauté LGBT autour. Yo pas capable accepter pour le gouvernement ap servi à cause yo a et pour l'ap faire des ordres dans ça qui concernait et structure sociale pays d'Haïti. Oui, gen bagay ki mérite pour changer. Mon pas qu'à dire pour faire une société de libertinage. Non, actualité, on a retourné encore pour nous dire l'Afrique présentée en force là pour venir diriger une institution Bretton Woods qui a fait face à quelques difficultés. On a parlé de OMC qui occupe des questions commerce mondial. Depuis que dernier représentant qui c'est brésilien Roberto Azevedo annoncé depuis la mi-temps mois de mai a quitté fonction dans finissement mois d'août là un an avant mandat fini pour raison familiale et bien 164 membres OMC yo a bataille là pour rejoindre dans 3 mois au lieu de 9 mois yon moun ki pou remplacer et parmi yo gen yon mexicain gen égyptien qui sorti en Afrique et gen yon nigérian gen yon moldave gen yon sud-coréen gen yon kenyan et puis gen ancien responsable Nations Unies ancien ministre affaires étrangères Kenya dans dernier moment qui déposait candidature ça fait yo croit que l'Afrique en force l'Afrique qui derrière pour prendre direction yon gros institution mondiale yo croit la de mesdames sa yo africaine yo présenté yo ta dans bon position et pour yo capable et remplacer et brésilien employé DHO te protesté l'autre fois encore dans local yo en bas la ville en boule caoutchouc et pour continuer dénoncer nomination Michel Présumé comme directeur et général EDH n'a pas entendu déclaration vice-président syndicat Félix Pierre Michel qui te parlait comme ça dans micro. Bon, nous c'est Félix Pierre Michel, nous c'est vice-président du Caribe, vice-président du Caribe, qui est secrétaire des travailleurs qui travaillent ici. Bien, qui est là, nous sommes à Pouchetage là, et continuer depuis avant hier, et de la Bouchetage qui s'est monsieur Michel Moïse, qui fait un arrêté sorti, qui s'est nommé Michel Pétier comme nouveau directeur du Caribe. Et bien, depuis là, il y a eu un million électrique qui passait, nous allons en venir, nous envoyons, nous allons en venir,
Haïti. Dernier pigocrage. Et c'est Téléco. Nous connaissons les Téléco, ta fonction de gratuité de mon travail de dans le pays. Égal, monsieur Président, l'aide dérivée dans Téléco sous présidence. Président Préval, l'écrasé. En juillet 2007, en janvier 2008, lui révoquer tout ce qu'il y a de Téléco. Lui fait les employés, nous mettre posé, m'a servi avec nous. L'Elvin voyait tout le cadre, il va au contrat pour 3 mois, et bien ça le fait. L'écraser pour une pension. Donc c'est des employés qui avaient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, jusqu'à 40 ans dans Téléco. Et bien, monsieur le président, écraser pour une pension ça. Pour une pension ça. Il y a un paquet de maman petit, papa petit qui est quoi dans eux, petit qui n'a pas fini l'étudio, petit qui n'a pas fini faire université.